De là où le vent est en baisse ce midi sur la Cano, rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable à couvert avec averse, une température extérieure qui est relevée à 12 degrés, une température de l'eau à 12-13 degrés, une marée qui est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à midi 25 avec des coefficients de 90. Et sur cette fin du descendant, le vent est onshore toujours avec un secteur ouest-nord-ouest et toujours modéré à soutenu. Il ne s'est point renforcé. On a un plan d'eau qui est clapot au bord, moutonneux sur le large, des phases de vagues qui sont ridées. Et une houle qui s'amortit, une houle longue de 12 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest, multiplique et en atténuation, donnant un déferlement régulier à la hauteur de 1,50 m, série qui rentre fréquemment à 2 m et les grosses séries à 2,30 m. Voilà, bon, c'est médiocre, même si là on voit quand même une série qui arrive à dérouler un peu. C'est agité, multiplique, médiocre, il n'y a personne à l'eau, personne qui check. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va légèrement s'amortir puisque la boue Arcachon-Gascogne tourne dans les 3 mètres et 9 secondes. Pour ce qui est du vent, il est attendu s'orienter au nord-ouest cet après-midi et se renforcer. Donc les prévisions à 13h, c'est 2,30 m ou ouest-nord-ouest à ouest avec 12 secondes de période vent, ouest-nord-ouest 3 à 4 beaufort. Et à 17h, 2 mètres maximum, houle ouest-nord-ouest à ouest, 12 secondes de période vent de nord-ouest à 4 beaufort. Pas de surf et pas d'action. Prochain point, demain matin, 7h. Là où l'on reste.